les amis, bonjour YouTube et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer vite fait mon petit shaker. Normalement je le fais à la fin de l'entraînement, mais là j'ai pas le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je le prépare maintenant et je l'emmène avec moi à emporter pour après ma séance. De toute façon ça va être simple, hein. Je vais vous montrer vite fait, boum boum boum. Alors, la protéine, Yamamoto Nutrition, c'est pas mal, j'ai essayé, le goût est super bon. Donc on va mettre 3 scoops, 30 grammes de protéines. Voilà. Ah, les dates. 5 dates. Ça va être délicieux ça. Des fois quand je m'entraîne, je suis pressé d'être à l'entraînement pour pouvoir boire mon shaker. Ce qui est très, c'est quand je le prépare avant. Des fois, j'ai envie de le boire maintenant. Là, je suis en train de le préparer. Je dis, oh, trop envie de le boire maintenant. Alors, 5 dates. On va prendre une banana aussi. Je me dépêche pour que ce soit trop long. Hein. Banana, banana. Flocon d'avoine. Voilà. Ah oui, collagène. Très, très important ça aussi. Collagène pour les articulations. Ça, une petite cuillère. Hop. Le collagène, je le prends chez Nutrimuscle. Et le plus important, mais le plus... Mais attendez, il y a la banane, bien sûr. Ça, c'est important. Avec la banane, qu'est-ce qu'on va faire? On va touiller. Et le plus important, le plus important, le beurre de cacahuète. Et quand tu mets une grosse bonne cuillère, on dirait que tu bouffes un Snickers. Alors, on va répéter. Flocon d'avoine, 5 dates, une banane, beurre de cacahuète, protéines, collagène. Je crois qu'on est bon. Après, hop, hop. Attendez, je vais peut-être remettre un petit peu d'eau. Alors, j'essaie de me dépêcher pour pas que ce soit trop long, les loulous. Une fois que c'est prêt, hop, ici. Et la magie de Nutribullette. C'est parti, mon kiki. Et voilà, pas très longtemps. Et là, la surprise. Tralala, ça va être un délice ça. Donc voilà, ça sera pour après l'entraînement. Merci, à tout à l'heure les loulous. Ça y est, je suis avec le pote Damien. On vient d'arriver à la salle. Donc aujourd'hui la séance, ça va être le dos et surtout du street lifting. Alors le street lifting, c'est quoi? C'est ni plus ni moins se lester lors des tractions ou les dips. Donc on va voir. Je vais essayer d'augmenter, on va voir jusqu'à où je vais aller. Je vous dis à tout de suite à la salle. Boum, boum, boum. Damien, t'es prêt pour faire un petit coucou à la caméra? Bien sûr. Salut. L'enfant prodige du fitness, l'enfant prodige de la musculation, vous connaissez déjà. Allez, à tout de suite à la salle. Bon, les gars, ça y est, on est arrivé à la salle. Bon, on va voir, je vais monter petit à petit en charge. Là, je vais prendre que 10 kilos. Attention, ceinture orange, les sacs. Tu pars sur combien de répétitions? Bah, je vais pas trop me cramer, je vais essayer d'en faire. Je vais essayer d'en faire. Je sais pas, 8, 5, 8. Bien sûr, on va essayer de faire les plus propres possibles. À 15 kilos. Je prends 2-3 minutes et on revient après. Bon les gars, on va passer directement à 20. Je vais faire 15 mais...
On va voir si 25 ça passe. A tout de suite, on peut pas mettre direct. Bon les gars, on passe à 25 kilos là. Ok. On va passer 40 kilos, c'est la première fois que je fais 40 kilos. J'attends Damien qui va me filmer, il finit sa série. Ah, il est là. Je vais essayer d'en faire une ou deux. En plus, j'ai les mains moites. Ceux qui me connaissent savent très bien, j'ai un peu les mains moites, j'ai pas de magnésie. Donc je laisse Damien me filmer. Je ferai mieux la prochaine fois.